Je suis centrafricain. Je suis né à Bangui. Mon père aussi est centrafricain. Il est né à Boa. Et puis voilà. Mais nous sommes musulmans. Le parcelle, c'est pour notre papa. Il est mort et il y a mon grand frère qui a hérité et il nous coiffe, nous tous. Bon, donc c'est ça. Nous-mêmes, on est 92 à la maison. Nous sommes venus ici parce que on a détruit notre maison. On est venu un certain matin du jeudi 5 à 6 heures du matin. Les gens sont venus, nous soi-disant les anti-Balaka. Et le jour où ils ont essayé de faire le coup d'État, ils ont tué ma fille, ils ont tué son mari parce que je l'ai donné à mari à peine 3 mois. Et puis ils ont tué mon petit frère, sauvagement. Si vous voyez le corps, vous n'allez pas croire. Ils ont peur de ce qui s'est arrivé là, de coups de fusil. Ils ont peur. Et à l'école aussi, avec ce qui s'est arrivé là, avec leurs frères chrétiens, ils ont peur. Ils disent que quand on va aller à l'école, peut-être nos frères là, ils vont nous faire du mal. Ils ont dit que non, maman, on ne peut pas rester ici, il faut qu'on parte de l'autre côté, ou soit au Cameroun, ou soit au Tchad. On peut aller reposer pour revenir. Vous savez, les enfants, eux, ils entendent ça rentre. Parce que dès qu'ils entendent les armes, ils ont peur. Dès qu'ils entendent les armes, ils ont peur. Et ils entendent dont les anti-Balaka vont venir nous tuer. Je m'appelle Kaku Pende Marie-Louis. Et la situation ici, c'est pénible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des moyens pour acheter de quoi manger. Des fois, nous sortons le matin, nous n'avons pas d'argent, nous ne prenons pas le petit déjeuner. Des fois, nous ne trouvons pas de quoi manger jusqu'à nous dormons pendant le jour prochain. Alors, ça ne va pas. Et quand nous dormons là, nous n'avons pas de couverture pour mettre sur nous. Il y a les fraîcheurs. Les enfants tombent malades partout, tous les jours. Des fois, nous amenons les enfants à l'hôpital. Nous faisons des queues. Mais lorsque nous faisons des queues, là, des fois, nous n'arrivons pas à trouver les médicaments. Des fois, nous revenons comme ça à la maison. Les enfants vomissent. Les enfants ne dorment même pas tranquille pendant la nuit. Les Sénégalais ont pénétré dans notre pays. Là. Ils tuent les gens par les fusils. Des fois, lorsque les gens sont morts, ils commencent à ramasser les corps. Des fois, ils jettent ça dans les grandes fleuves. Des fois, nous n'arrivons pas à trouver les corps de nos parents. Alors, des fois, ce sont les Croix-Rouges qui ramassent les corps pour aller enterrer ça. Alors, ça fait que nous avons beaucoup de soucis pour nos parents qui sont disparus, qui sont perdus là. On ne sait pas comment on va faire. Il n'y a pas la sécurité. Bon, comment on va faire? Quand la paix arrive, bon, tout ça va aller. Inch'Allah. Je suis très optimiste du futur parce que malgré tout ce qu'ils m'ont fait, je ne pense pas me venger. Je pense peut-être plutôt comment on va bien vivre ensemble. Alors, à présent, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'école. Les enfants sont les avenirs de demain. Mais si les enfants n'aillent pas à l'école, mais d'ici demain, comment serait l'avenir de la RCA? Nous, les parents, nous, les enseignants, nous sommes en train de réfléchir sur cette question-là.